Eh bien, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. On est tout de suite parti pour tester le mode de jeu temporaire qu'il y a actuellement, le nouveau mode de jeu triple tirage. Donc, en fait, c'est bien parce qu'on peut jouer avec n'importe quelle carte du jeu et on en choisit une sur trois à chaque fois pour former notre deck. On est tout de suite parti. On va tenter de gagner au moins une partie, ça serait cool. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Je pense que je vais prendre, je sais même plus son nom, c'est la guerrière, la soigneuse armée, il me semble. On va prendre ensuite les gorgons. Je pense ça va aller très vite. Hein. Je vous préviens, ça va aller très, très vite. La petite armée de squelettes, forcément. J'aimerais bien avoir une ou deux légendaires, ça serait peut-être pas mal dans le deck. La gargouille, je prends la gargouille. La bûche, forcément, on va prendre la bûche parce que ça utilise peu d'élixir. Le canon, je pense, pour l'instant, là on va tenter de faire une petite tactique. Méga chevalier, forcément. Par contre, là, mon deck coûte un petit peu cher en termes d'élixir. Boule de feu, et pour l'instant ouais, on a un deck pas trop mal, on a de quoi attaquer avec le méga chevalier et la guérisseuse armée, je crois que c'est son nom, la bûche pour défendre avec la boule de la BDF, on est pas trop mal, on est tout de suite parti. Je pense que je vais mettre en la méga gargouille et en arrière terrain le canon, je pense que je vais faire ça. J'ai la bûche pour pré-shot au cas où, il a mis un séisme, je vois pas pourquoi, et peut-être qu'il pensait que j'avais un mineur, voilà, comme lui. La guérisseuse armée pour bloquer le mineur qui a pas le temps beaucoup d'attaquer. Peut-être qu'il va mettre. On va pré-shot peut-être avec la. Non, c'est bon, il a mis un. Ouais, un mortier. Non, c'est pas le mortier, ça, pardon, c'est un canon. Alors, on va mettre le méga chevalier juste là. La guérisseuse va s'occuper largement du canon. Et il reste plus que 700 PV à sa tour. On est en avance pour l'instant. C'est pas trop mal, ça. Je pense qu'on va y prendre la tour. Là. Ouais, c'est bon. On va prendre la première tour. Il m'a mis une artificière. On a eu l'artificière aussi. C'est parfait. Mais j'ai décidément, c'est une bonne compo. Il va peut-être pré-shot. On va peut-être envoyer des. On va envoyer des gargouilles, une horde de gargouilles pour pré-shot. Si voilà, comme là le zappy, ça peut être pas mal. La méga gargouille. Là, on va faire que attaquer parce que du coup, on a une très grosse avance. Et première partie gagnée. On a pris un petit peu de dégâts. Je crois qu'on avait pris 0 dégâts. On a pris un petit peu de dégâts sur la tour de gauche, mais autrement, on a fait vraiment une très bonne partie pour l'instant. Allez, on va lancer une petite deuxième. J'espère avoir un deck aussi bien, enfin aussi efficace que le premier. Alors, je pense qu'on peut tenter une tactique avec le fuit à gobelin. Je vais prendre, ouais, je pense la recrue royale, le collier royal, pardon, c'est ça. Oui, on va prendre ensuite le fuit à squelette, la mousquetaire. Pour l'instant, on a beaucoup de trucs qui sont dans les airs. Enfin, beaucoup de trucs qu'on envoie directement sur la tour. On va prendre forcément les. Je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle même plus. La princesse, ça peut être. Non, on va prendre la méga gargouille. On va prendre la méga gargouille parce qu'elle met beaucoup de dégâts. Et bien sûr. Ah, on pourrait peut-être faire un deck avec le zappy parce que j'ai pas beaucoup de cartes qui me donnent beaucoup de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre le zappy. Et en dernier, on peut prendre la BDF forcément pour défendre parce que j'ai pas beaucoup de sorts. Enfin, si, il y en a qui comptent pour des sorts. Mais je veux dire, la BDF, c'est vraiment un gros sort qui permet de parier une sorcière peut-être ou une autre carte. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir jouer? Je pense qu'on va mettre en fond de terrain la mousquetaire, avec peut-être le... Ah, on va mettre parfait. J'ai le zappy, c'est parfait. Il a mis une méga gargouille, c'est pas une méga gargouille, un molosse de la fin. On va mettre le zappy pour l'instant, et maintenant, quand la tour va s'occuper du zappy, voilà, on va pouvoir balancer le feu à gobelin. Par contre, là à droite, il faut que je fasse attention parce qu'il va mettre une sacrée attaque. On va mettre la méga gargouille pour défendre. Et je pense que je vais mettre le collier royal. On a déjà pris sa tour, c'est parfait. Par contre, lui, il est en train de me la prendre aussi, la mienne. Elle est. Voilà. Ah, par contre, la méga gargouille, j'ai quasiment rien. Si la méga gargouille. Enfin, je veux dire, le molosse de lave est occupé par la méga gargouille. Ouais, non, ça devrait le faire. Oula, les petits gobelins, ça j'aime pas beaucoup. Peut-être la BDF, on va mettre la mousquetaire, ça sera mieux. Pour l'instant, on a l'avantage, on a mis beaucoup de dégâts à sa tour du roi, et on a pris une de ses petites tours, donc c'est parfait, on va tout de suite placer, je pense. Je pense qu'on peut tenter de mettre le zappy avec le fuit à petit squelette, ça pourrait être pas mal. Comment il s'appelle d'ailleurs? Attendez, non, je croyais que j'allais voir le nom. Je me rappelle plus du tout le nom de cette carte que j'ai là en main, on va dire. Alors, il a pris ma tour, c'est pas grave. Regardez ce qu'on va balancer, ça avec... Le fuit à gobelin, non, ça sert à rien, on va mettre cela. Les fripons, voilà, c'est bien ce que je me disais, les petits fripons, c'est le nom de la carte. Alors, ils ont mis mal à mon zappy, mais au moins on a pu défendre. Et c'est pas grave parce qu'on a un avantage de tour, entre guillemets. Donc, on peut se permettre un petit peu de faire des petites défenses comme ça, alors qu'on aurait peut-être pu faire mieux, ça c'est sûr. Mais voilà, hop, le fuit à gobelin qui est bien derrière la tour pour bien attaquer. Oui, c'est bien ça, c'est très bien. Et on va peut-être prendre la tour, et on a pris la tour. Deuxième partie, les amis, de gagner.
Décidément, on est chaud aujourd'hui, là, ça fait... j'ai pas lancé beaucoup de games depuis le début de la journée. Et en plus, on a un petit coffre en or, ça fait plaisir. On est tout de suite parti pour que je lance une petite troisième game. Je pense que ça va être la dernière game. Espérons qu'on fasse une triple win, ça serait pas mal. Alors, les flèches, ou le... Il m'a pas réellement servi le collier royal, je pense que je vais prendre les flèches. J'espère. Bon, là, on va prendre la voleuse, forcément. Va falloir prendre des cartes qui font un peu plus de dégâts. Je pense que je vais prendre le... Je sais plus comment il s'appelle, le petit gobelin Sarbacane, je crois. Parce qu'il fait pas mal de dégâts. La mousquetaire, forcément. On est un peu sur une tactique, un peu comme l'ancienne composition. On va prendre... je sais plus comment... Le cavabellier. Beaucoup de cartes qui utilisent beaucoup. On va prendre le... Je pense qu'en premier... J'espère avoir la cabane de barbare en premier. Pour la placer directement dès le début de la partie. La BDF. Et en dernier, on a... Oh. Putain, entre le fantôme et le prince. Fantôme, prince... Ah oui, mais en même temps le prince, on va prendre le prince parce que... Ah oui, non, j'ai un deck qui coûte quand même 4,1, on va prendre le fantôme. Ça nous redescend à 4 d'élixir. C'est pas trop mal, on a un deck un petit peu moins bien, je trouve. Enfin, il est bien, mais je veux dire, en termes de tactique, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire au début. Parfait, on a la cabane. On a la cabane de barbare. J'ai un peu mal positionné là. On est parfait, les amis. On a mis... j'ai la cabane. Je pense que je vais pouvoir mettre le cavabellier de côté, puisqu'il met toute sa défense et toute son attaque de ce côté-là, quoi. Enfin, il met toutes ses cartes de son côté, enfin, de mon côté droit, du coup. La bûche, bon, ça met un peu de dégâts, mais ça risque pas d'en mettre trop. Je vais pouvoir mettre la mousquetaire hein, pour défendre avec les petits barbares qui sortent de la cabane. J'ai pas mis beaucoup de dégâts cette tour, c'est dommage. Je vais pouvoir mettre le... J'ai l'impression que ça me fait, en fait, vous voyez, le gobelin à Sarbacane, là. J'ai réellement... Il me fait penser au Korogu dans Zelda, voilà. Ça n'a rien à voir du tout avec Clash Royale, mais il me fait penser, je sais pas pourquoi, comme ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai envie de l'appeler le Korogu, alors que non, c'est tout simplement un gobelin avec une Sarbacane. Bref, on est parti. Le Zappi, je crois. Est-ce que la BDF, ça peut le faire? Est-ce que ça prend le pêcheur? Oui! Ouh, le pré-shot que j'ai fait d'un homme de malade. C'est très bien, ça. Vas-y. Oh, il a pas le temps d'attaquer. Son Zappi a pas le temps d'attaquer, c'est parfait. On va replacer la cabane, tranquillement. Et on va commencer à attaquer. Ou alors, je vais peut-être envoyer la voleuse. Ouais, non, il y a un PK. Il y a un PK, ça, c'est pas bon. Si on va mettre la petite cabane, comme ça, les barbares vont s'occuper un petit peu du PK. Mais non, parce que je voulais mettre la voleuse, mais du coup, le PK, il aurait fait un petit peu mal, je pense. Oui, il met un peu... Non, voilà. Un petit barbare. Oui, c'est parfait. Bon, dommage, la cabane a été pétée. C'est pas trop grave, il y a les deux barbares qui va se dire oui. Je pense qu'il va se dire oui, les deux barbares, c'est pas très grave. Mais je mets le cavabelli derrière. Il a mis le Zappi. Youpi, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouf, mon cavabelli a pris mal. Il a pris très mal. On va mettre en fond de terrain la mousquetaire. J'ai pas encore joué, je crois, le fantôme. On va peut-être le jouer. Oh, c'est parfait ça. Je vais mettre le gobelin Sarbacane et pouvoir mettre la BDF juste après. C'est mouvementé comme vidéo, très mouvementé en termes de cette dernière partie. Mais bon, c'est pas trop mal. Vas-y, on va pouvoir. Non, il faut pas qu'il a mis le. Ah, il a mis le coup, dommage. Il a mis le coup. Mais j'ai même pas touché le pêcheur. J'aurais dû jouer plutôt la BDF. Mais j'avais pas d'élixir. Dommage, c'est pas très grave. On va encaisser les dégâts. C'est pas très grave. On va mettre la voleuse. Il a pris ma tour. Je suis mal parce que là, j'ai pas la tour. Il m'a ramené. C'est bon, on a le cavabellier. Peut-être qu'on va prendre la... Il a mis le PK. Quoique, avec le cavabellier, ça peut le faire. Le Zappi, par contre... Vas-y, prends la tour. Oui, on a pris la tour. C'est parfait. On a pris la tour. C'est parfait. On va mettre la cabane de barbare. On est à peu près à égalité. J'ai mis un peu plus de dégâts sur sa tour. Faut quand même savoir que... Non, tout niveau 9, j'ai rien dit. Vas-y, on va mettre la petite mousquetaire et le gobelin Sarbacane. Attendez, on va mettre sur le Zappi, ça va. Le Zappi commence à m'énerver avec son Zappi. J'avais pas vu de l'autre côté, on va mettre le gobelin Sarbacane et les flèches. Mais j'aurais pas dû prendre les flèches, j'aurais dû prendre la recrue royale. Enfin, pas la recrue royale aussi, mais je veux dire. Le collier royal, voilà. Bon, le pêcheur, il a eu le temps. Quoi, il a un miroir ou. On est mal, là. On est très très mal. Je vais mettre ça. J'ai la BDF. Espérons que ça mette. Vous voyez, c'est bien. Attaque ma mousquetaire. C'est parfait. Oui. Oh là là là. Dommage, j'ai pas eu plus avoir le sorcier, mais c'est pas grave. Faut vite reprendre. Alors normalement, sa petite tour a moins de dégâts, de moins de PV, je veux dire. On est parti là. Oulala. Attendez. On va mettre le cavabellier. Espérons qu'il prenne pas trop de dégâts. Il est bloqué. Ah, c'est bien, ça ralentit. Le gobelin, je sais plus comment il s'appelle, le gobelin géant, il me semble. La voleuse qui peut-être pas mal. J'ai mis la cabane, plutôt bien la cabane. On a plus que 1200 PV sur la tour. Espérons qu'on puisse quand même gagner. C'est parfait, ramène-toi avec ton Zappi. C'est parfait, vas-y, prenez. Ah, ça, c'est pas ce que je voulais. Oui, c'est parfait. Le pêcheur qui a été. Qui s'est fait avoir par mes deux barbares. C'est parfait. Et allez, juste une petite. Un petit gobelin Sarbacane et une petite mousquetaire, peut-être pour parer le Zappi. D'accord, le mousquetaire a pas duré longtemps. On a eu le Zappi. Bon, les amis, on a eu du coup sur trois parties.
2 qui était plutôt pas mal. On a gagné 2 d'ailleurs. Et on a quand même réussi à avoir une tour pour la fin. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo Clash Royale vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification et de me rejoindre sur les deux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Et pour finir cette petite vidéo, on va ouvrir le petit coffre. Je pense que je vais rien avoir. Oui, des électrocuteurs et un fusil, c'est pas trop mal. Bref, en tout cas, j'espère que, comme je vous dis, que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao !